Bonjour. Maintenant, apprenons la section 3. Donc, on vient de finir la section 2 avec nos rebonds 5, 6, 7, 8. D'ici, on va aller vers l'arrière avec deux pas. Un sur la droite, un avec la gauche qui rejoint la droite. On va garder nos poings ensemble, nos deux mains ensemble. Et d'ici, on va les ouvrir, on va les monter vers le haut. Les paumes de la main vers le bas. Quand on fait ça, c'est un peu comme l'explosion du début de la section 2. On va avoir de l'énergie et ensuite on va ralentir. Les comptes pour ça, donc on vient de finir 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va mettre nos coudes et nos mains ensemble. Et ça va être un mouvement assez raide et vite. Donc on arrive 5, on va ouvrir une autre explosion, 6, 7, 8. Très bien. On va commencer de la section 2. Donc, on vient finir nos rebonds. 5, 6, 7, 8 vers l'arrière, droite, gauche, explose, ralentis, 4, coude, 6, 7, 8. Très bien. D'ici, on va retrouver notre chassé du début vers la droite. Donc, le pied gauche rejoint la droite et la jambe gauche glisse vers la droite. En même temps, notre coude va aller en angle droit. La paume de la main vers l'arrière et les doigts vers le sol. On va rechercher, on va transférer notre poids vers la gauche, on va faire la même chose avec le coude gauche. Très bien. D'ici, on peut grandir, on a deux comptes pour sentir cette position-ci. Et ensuite, on va pousser la terre avec la droite, transférer notre poids vers la droite avec la main gauche. Super. Et cette partie-là, on commence à avoir plus de tension avec la nature. La partie 1 et 2, on était en paix et on était en équilibre. Et là, on commence à avoir un petit peu plus de problèmes. Donc, on va pousser, on va résister, Et ensuite, on va tourner notre main vers le haut, l'autre main vers le haut, et on va rapprocher les jambes et ouvrir les bras en même temps. Donc, ça aussi, c'est un mouvement assez robotique et raide pour montrer la tension. Donc, faisons ça avec des comptes. On venait de finir ici. Je vais me replacer. Donc, on était ici 5, 6, 7, 8. En arrière, 2, 3, 4. Coude et mains. Ouvre, 6, 7, 8. Pas chasser, coude. Coude, reste, 3, 4. Pouce droit, pouce gauche. Tourne, tourne, go, go. Super. Donc, à la fin, ces mouvements sont plus rapides, donc ils utilisent les « et ». Donc, après avoir fait droit, gauche, on pousse, on transfère notre poids. 6, 7 et 8 et. Super. Essayons ça avec des comptes du début de la section 3. Donc, on vient de finir ici. 7, 8. Et on fait nos 4 rebonds. Et c'est parti. Et de 1, 2, 3, 4, 5. Ouvre, 6, 7, 8. Et coude, respire. Et 4, pousse, pousse, tourne, tourne. Oh, oh. Super. Essayons la section 3 avec la musique maintenant. 8 et 1, 3, 4, 5, ouvre, 6, 7, 8 et coude gauche, reste, 5, 6 et 7 et 8. Maintenant, on va essayer la section 2 et la section 3 ensemble. Donc, nous commençons face à l'arrière. Donc, tu viens d'arriver, 7, reste, 8, ouvre, 1, 2, 3, 4, et droite, et gauche, et 1, 2, 3, et 4, fais, 6, 7, glisse, 8, et 1, 2, 3, 4, et ouvre, et ferme, ouvre, et ferme, et 1, 2, tension, et clap, 5, 6, 7, vers l'arrière, et 1, 2, 3, 4, coude, ouvre, 7,
8, et coude, coude, 3, 4, pouce, pouce, ta, 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 ta. Essayons avec la musique, la section 2 et 3. Sept, huit, ouvre. Un, deux, trois, quatre et marche. Six, sept, huit et double temps. Trois, quatre à gauche. Sept, huit et retrouve la terre. Laisse-la aller. Et six, et sept, et huit, et un. Ouvre, ferme. Cinq, sept et huit en arrière. Deux, trois, quatre, coude et ouvre. Et droite, gauche, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8.